Bonjour Mathieu Dussol, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens de recevoir le petit colis, j'étais trop contente. Du coup, j'avais envie de l'ouvrir directement, je ne vous ai pas bien mis, mais vous êtes sur mon DP, vous êtes dans mon salon, vous allez... Ah non, un chat. Non, vous n'avez pas de voix. Bon, on vous dit dégage de là, allez, dégage. Du coup, j'avais envie d'ouvrir avec vous. Ah. Ah si, elle est là. La languette. Normalement, cette fois-ci, ils ont changé la box. Le dessin de l'intérieur, c'est plus le même. Ah non, c'est plus la même. C'est avec une petite jeune fille. Une jeune fille avec des livres qui lit. Elle est pas mal. Du coup, elle se présente comme ceci maintenant, vous voyez. Je vais prendre ça. J'essaie de pas trop me spoiler. Voilà. Mais ça va être compliqué que je vois déjà le livre. Du coup, c'est pas grave. On va prendre ceci. C'est des petits sablés tradition. Original. Voilà, des petites madeleines. 100% naturelles. Voici. Je vous montre de plus près des petites madeleines. Il y a 30 grammes. 100% naturel. Voilà. Fabriqué en France par... Voilà, France, quoi. Voilà. Voilà. Bon, je ne sais pas. Par contre, ils ont abîmé mon livre. Le petit marque-page, il est trop beau. J'aime bien celui-ci. Pour voyager loin, il n'y a pas de meilleur moyen d'une liseuse de Émilie Bigenson. Il est trop beau. La petite gazette. Voilà. Je vous montre pourquoi je vous dis... Oh, j'ai le livre que je voulais. Ils ont... Je dois me plaindre, l'état de mon bouquin. Regardez-moi ça. Je suis pas contente là. Du coup, j'ai reçu 4 jours de folie de Emma Work, je sais pas comment ça se dit, de chez Hugo dans la collection Nous Romance. Voilà. C'est un livre que je crois que j'avais mis dans mes demandes. Je suis pas sûre de celui-là. L'autre, oui, je sais. Du coup, on va lire un peu la quatrième de couverture. J'imaginais la situation. Vous êtes sur le point de quitter un concomitant, apparemment un garçon avec lequel vous venez de passer la nuit, quand soudain vous désirez de lui laisser votre numéro de téléphone. Un instant après, vous vous retrouvez face à un une omelette et un café, et vous demandez au bel inconnu d'être votre faux petit ami pour un mariage de votre sœur le week-end suivant. Poppy sait au fond d'elle même que c'est une mauvaise idée de ne de elle ne connaît rien de sa vie d'âme. Wise, ce beau cavalier. Et voilà embriqué pour 4 jours qui convient. De malentendu, d'une situation ubérquée, de Poppy et Adam vont devoir gérer tant bien que mal. Et si ce petit jeu les rapprochait? Une comédie romantique, drôle et pleine de rebondissements. Oh, il me tombe bien. Oh, il est trop bon en plus. J'aime pas trop la figure de la... Mais il me tombe bien dans... Il me tombe vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et celui-là, ça, je sais qu'il était dans mes recommandations. J'avais dit que si je l'avais pas, j'allais me le procurer. Pour les vacances, c'est top. Moi, ça va, c'est écrit grand. Les meilleures vacances ratées. La vie est ce qui arrive quand on y attend le moins.
Le livre de poche, c'est de la jeunesse et c'est de Morgane Maton, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Maston. Voilà. Il est fluffy aussi. Des super lectures qui m'attendent, je sens. Alors, je vous lis la quatrième de couverture, elle est petite. Andia avait prévu de passer l'été parfait, un été studieux, radieux, constructif, un été à son image, car depuis toujours, Andine prévoit tout dans les moindres détails, sa vie et son contrôle, le moindre faux pas. C'est exclu, mais quand un constate éclatousse la récupération de son petit politicien de papa, tout bascule. Certes, Andine n'avait pas envisagé de se retrouver promeneuse de chiens, mais elle avait pas non plus imaginé de tomber amoureuse d'un drôle de garçon. Alors, qui sait? Prévenu à petit, peut-être à bon. Traduit par Anna Delcourt. À partir de 14 ans, lecture. Voilà. À partir de 14 ans. Je pense que ça peut bien se le faire. Ça doit être une chouette petite lecture. Voilà. Je suis trop fan. Par contre, je suis triste. On n'a pas grand-chose en goodies pour le moment. Avant, on avait deux goodies. On avait un truc, puis un autre petit truc. Souvent, on avait deux trucs et maintenant, on n'a plus qu'un goodies. Ben, c'est même pas un goodies, c'est un petit 4 heures. On n'a plus de. L'autre fois, on a eu un biscuit et un bic. L'autre fois, on avait un portefeuille et je ne sais plus quoi. Ici, on n'a plus que ça. Et le marque-page qui est trop beau aussi, j'aime bien. J'ai envie de le plastifier, celui-ci. Il est trop beau. Mais il devrait penser aux poches, le faire plus petit pour les poches. Parce que ça dépasse et je les plie moi. Du coup, je les utilise pas souvent. Voilà. Dites-moi dans les commentaires lequel que vous avez envie que je lise en premier. Ou que vous avez envie de me piquer. Mais je vais quand même faire un mail pour me plaindre de mon état de mon bouquin. Voilà. Et en plus, il y a la vidéo, du coup, je pourrais vous le montrer. Voilà. Mais je suis trop contente de ce livre que je voulais. En plus, celui-là, je le voulais. J'avais dit que si c'est cet été, si je me le trouvais en librairie, je me l'aurais procuré. Du coup, ben, j'aurais pas besoin de me le procurer parce que je l'ai en main. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi lequel que vous voulez me piquer ou que je lise en premier. Ou que si vous l'avez déjà lu, lequel que je dois commencer. Mais celui-ci me tente vraiment bien. Je sais pas pourquoi. 4 jours de folie avec un amant qui devient peut-être quelque chose. Ça doit être chouette aussi. Enfin, les deux me donnent. Je vous ai pas parlé des pages par contre. Du coup, celui-ci. Il fait 507 pages. Ouais, quand même. C'est une bonne bricasse. Et celui-ci, il fait un peu moins. J'arrive jamais à la dernière page. Il fait 378 pages. Voilà. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et des petits commentaires. Je vous réponds avec plaisir. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!